AG2R La Mondiale et Les Échos vous présentent 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale Les Échos consacrée à la protection sociale et patrimoniale, 3 minutes contre les idées reçues. Au programme aujourd'hui, quel statut social pour le dirigeant d'entreprise ? Et pour en parler avec nous, Alice Fage, directeur des affaires sociales de l'Ordre des experts comptables. Alice Fage, bonjour. Bonjour. Première idée reçue qu'on retrouve alors là très communément, quand on est dirigeant d'entreprise, il vaut mieux être salarié ou assimilé salarié et non pas TNS, travailleur non salarié. C'est vrai que ça a l'air plus intéressant d'être travailleur salarié parce que la protection sociale est meilleure. Et puis on connaît le régime, c'est simple, c'est l'employeur qui déclare les cotisations, il n'y a pas grand-chose à faire avec une bonne couverture sociale. Tandis que quand on est non salarié, on va s'affilier soi-même au RSI et ensuite les prestations sont moindres, notamment au niveau de la retraite et de la prévoyance. Par exemple, les professions libérales n'ont pas d'indemnité journalière. Deuxième idée reçue, quand le dirigeant d'entreprise choisit son statut, il doit privilégier le coût, le poids des cotisations. Donc, ce n'est pas une très bonne idée de privilégier seulement le poids des cotisations. Il faut déjà réfléchir aux modalités d'exercice. Quand vous voulez créer votre structure, d'abord, est-ce que vous voulez être travailleur indépendant ? Est-ce que vous voulez une société ? Et déjà, c'est la première question à se poser, seul ou pas seul. Ensuite, évidemment, il y a le coût, mais il y a aussi la fiscalité, bien entendu, dont il faut tenir compte. Et puis, sa situation personnelle. On n'a pas les mêmes exigences, les mêmes priorités quand on a 30 ans que quand on a 60 ans. Et il y a aussi la situation du conjoint. Est-ce que j'ai un conjoint qui travaille ou pas ? Donc, il y a une globalité d'éléments à prendre en compte. Tout dépend de la situation. Il ne faut pas forcément aller au moins cher. Bien entendu. Ce n'est pas toujours la bonne idée. Ce n'est pas une bonne économie d'aller au moins cher. Troisième idée reçue. Un dirigeant d'entreprise peut changer de statut en cours de vie professionnelle. Dans ce cas, ça n'impacte pas sur le statut de son conjoint. Alors, il faut toujours prendre en compte le statut du conjoint quand on veut changer de statut, parce qu'il y a une globalité, c'est la notion de foyer fiscal. Et selon que le conjoint travaille ou ne travaille pas, la situation va l'impacter. Par exemple, il faut se préoccuper du niveau de la pension de réversion. Quand on a un conjoint qui ne travaille pas, et d'ailleurs même s'il travaille, est-ce qu'il pourra bénéficier de la pension de réversion ? Pour les salariés, les non-salariés, la retraite est versée au conjoint survivant uniquement sous conditions de ressources. Les conditions n'étant pas les mêmes pour les salariés et les non-salariés, il faut quand même regarder cela de près. Quatrième idée reçue, pour racheter des trimestres de retraite, c'est plus simple quand on est salarié. Alors c'est vrai que la loi Fillon, en 2003, a proposé des modalités de rachat de trimestres de cotisation pour les salariés, mais en fait la même option existe pour les non-salariés. C'est pour les rachats des années consacrées aux études supérieures et les années incomplètes. Mais il faut savoir que ça a un certain coût. Par exemple, si on prend quelqu'un qui a 50 ans, qui voudrait racheter un trimestre de cotisation et uniquement pour la retraite de base, pour la durée de cotisation et le taux, cela coûte 5 000 € de rachat pour un seul trimestre. À côté de ça, les non-salariés ont déjà cette option, mais ils ont d'autres modalités, dont une dont on parle assez peu souvent et qui s'arrête fin 2013, qui est vraiment très intéressante, c'est qu'ils peuvent racheter un trimestre de cotisation pour le coût de 656 € en 2013. Donc, comme on dit, il n'y a pas photo. Alice Fage, merci. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission AG2R La Mondiale Les Échos, 3 minutes contre les idées reçues. AG2R La Mondiale et Les Échos vous ont présenté 3 minutes contre les idées reçues.